Désolé d'avoir à te dire ça, mais tu es mort. Hein? Et aux enfers. Pour toujours. Je plaisante! Les moires sont intervenus et tu as été envoyé vers ma petite cachette secrète. Mais tu devrais y trouver quelque chose qui te sera utile. Cool! Bon amusement! Ben on lance l'épisode là-dessus, what the fuck? J'ai pas compris. J'ai voulu me TP à la halle pour faire des potions. Et que vois-je? Une nouvelle armure. Ok. Elle fait quoi cette armure? Je pense qu'on va rester là-dessus. Ah quoi, ouais si, moi j'aime beaucoup ce principe. Du coup on va se refaire le stock de potions et après interagir. Ah mais c'est parce que j'ai fait le... la zone d'Aphrodite, je sais pas. Une envie de lait de soja au chocolat. C'est bizarre Darkseid des fois quand même. Hein. Tu redonnes de la vie à cette vieille halle poussiéreuse, Aphrodite. De la vie végétale, mais de la vie quand même. Dès que je frémis, les écureuils arrivent. Et il y a un nid dans l'une de mes branches. Donc, bientôt des petits oiseaux. Quand au juste? Oh, quelques mois, je dirais. Ah, oh, passionnant. Ok. Du coup, on refait le stock qu'on a dit. Va falloir récupérer à nouveau des ingrédients aussi. Hein. Allez, la petite préparation de potion. Yeah, yes we did it. Alors je crois que je pouvais améliorer les dégâts de la hache, on va le faire aussi. J'ai des choses à vendre. Tant qu'on y est, on va tout up. Hein. Je pouvais améliorer le stock de potions je crois, mais tant pis. Ça sera pour une prochaine fois. On va checker aussi les missions là, parce que ça se trouve je peux peut-être m'acheter une nouvelle arme. Pour changer au moins le skin, ça peut être pas mal. Yeah! Hop. Hop, on réactive toutes ces quêtes. Du coup, on a récupéré des nouvelles haches, ou des nouveaux skins en tout cas. Attends, c'est des skins ou c'est... Attends. Ah non, c'est des skins de la hache de base. Ok, c'est... Bon, c'est pas de la merde, mais presque. Et j'ai que 3 pièces de caron, ouais. Ouais, mais je sais pas pourquoi j'ai autant de nouveaux skins pour les armes de base. C'est nul. Ça, c'est un peu plus intéressant, déjà. Et il me faut combien d'endurance, là, pour me up, là? Et ben, on est bon, là. Allez, hop, un fragment de plus. Comme ça, on voit toutes les animations. Discord, comment ça s'addiction? Yeah. On va aussi augmenter la vie, mais du coup, t'as pas la notif hein, quand tu peux augmenter ta vie ou. Attends, il m'en faut 6, c'est ça? J'en ai que 5. Fuck! Bon, on va aller voir la pauvre petite paumienne. Ah si, ils me le disent, mais c'est trop tard, parce que j'ai déjà fait en fait. Je t'avais dit que je te rapporterais ton essence. Je n'en doutais pas, mais me vois-tu sous un jour différent, maintenant que tu connais mes pensées les plus noires? Loin de là, j'ai hâte de connaître ta vraie nature. Parce qu'entre nous, Hermès a vraiment besoin de changer de coiffure. Hein? Quoi? Oh, très bien. Je suis prête. Si tu cherches à... Puisse ta passion et ton amour être à jamais infinis. Lève-toi, Aphrodite, déesse dorée.
Tu restes sans voix ? Oh, je comprends. Te rends-tu compte qu'il a fallu que tu me persuades de réintégrer ce corps ? Quand j'y pense, sans toi, j'aurais fini par perdre tout amour-propre. Bah, ça, je te l'ai volé il y a des années. Clairement, oui. Tu donnes l'impression de t'aimer beaucoup trop. D'ailleurs, à l'occasion, tu devrais faire une lessive. Non, ravi de te retrouver. Phoenix, accepte ma dernière bénédiction en remerciement. Prête à vaincre Typhon ? Je suis même impatiente d'en finir avec l'horrible bête qui m'avait volé ma beauté. Mais il y a une autre chose pour laquelle j'aurais besoin de ton aide. Je suis ton homme. Typhon a fait sortir du Tartare 4 bêtes mythiques, afin de terroriser les créatures de l'île d'Or. Si tu parvenais à les tuer pour mettre fin à leur règne, je t'en serais extrêmement reconnaissante. En temps normal, je m'en ficherais, mais je m'adoucis, que veux-tu ? Je vais m'en occuper. Je n'en attendais pas moins. De l'électrum qui te brûle les poches. Du coup, c'est une nouvelle quête sur la durée, j'imagine. Ça doit être des boss costauds, enfin, je pense. Je suis un peu déçu, je la trouve pas si belle que ça. Bouh. Et ses mains, qu'est-ce qu'elle a, ses mains? Tu parles des mannequins, Dictat. Et si Achille, on l'a battu, mais... on l'a pas vu en version humaine normale, en fait. Juste en version corrompue. Attends. Accepter, bah oui, accepter, en fait. On a bientôt fait plusieurs quêtes. Okay. Bon. Aphrodite, j'ai dit quoi? J'ai dit Athéna? Je confonds les deux tout le temps. Oui, c'est Aphrodite. Pourquoi je dis Athéna? Je sais pas ce que j'ai dit, mais c'est Aphrodite, en effet. Bref. Ça me saoule d'avoir des points d'exclamation partout. Là. Pour un vieux cheval. Et du coup, on fait quoi là? Techniquement. Tuer les bêtes légendaires. Non, non, c'est tout de suite les bêtes légendaires. Et c'est que dans la zone. Ah non, je pensais que ça allait être genre une quête de longue durée. À travers toute la map, mais non. Ok. On va commencer par celle-ci parce qu'elle est en bord de map. Parce qu'après... Techniquement, attends, c'est à l'est que je vais. Oui, c'était plus à l'est. Techniquement, je peux aller dans une nouvelle zone là. Mince, je me suis encore fail. Hop. Faut que je loot aussi des pièces de Caron pour débloquer des nouvelles compétences. Et c'est quoi ce geyser doré là? C'est un défi! En cas d'échec, il ne restera rien de toi! Quoi ces trucs? Ah! Je faisais pas gaffe. Easy, même pas mal. On sort pour vous. C'est quoi ce truc? Allez, salut! Je sais pas ce que c'est. C'est le niveau de difficulté? Non, même pas. On est toujours à 1 sur 3, mais je sais pas. Je l'avais pas déjà fait ce truc. Ah, c'est une crypte que j'ai fait, mais pas à 100%. Bon bah, je me casse alors. Merci pour la précision, Poro. Hop. Ouais, c'est que je dois pas avoir le coffre ou quoi, mais tant pis. Hein. Je pensais que c'était une nouvelle catégorie. Après, je pense que tu me l'avais dit, mais j'avais oublié ce petit détail. Du coup, on va aller essayer de faire les 4 bêtes mythiques, voir à quoi ça ressemble. Putain, il y a des ennemis juste à côté. Non ! Arrêtez ! C'est pas moi ! Fuyons ! Avec mon canasson. Il y a de l'ours. Ouf ! Non, ça marche pas. Ça marche pas. Au pire, je veux pas vous fight, vous. Yeah.
Mais non, mais qu'il est con. J'ai maintenu Triangle pour essayer de choper le truc, du coup il a appelé sa monture. Aidez-nous. D'ailleurs, Sadixion, si t'es là, j'ai vu que tu m'as ping, parce que j'ai regardé vite fait Discord. Tu parles de zombies, j'ai pas trop compris. Bonsoir. Je veux juste... Mais non, mais c'est la même, hein. Attends, je suis pas là, en fait. Je suis pas là. Je veux juste choper ce truc de mer, Crelly, collecter, là. Ah. Ok. J'ai voulu abuser du jeu, ça n'a pas marché. Par contre, eux, ils abusent de moi, sympa. Je peux pas tomber de la falaise, là. Mais tape de... Oh, de t'envoler, là. Là, techniquement, je peux gagner un fragment de vie en plus. Mais ce sera à l'occasion, je ne vais pas y retourner exprès. Ah non, c'est pas moi, je l'ai pas, hein, Zongli. Du coup, on a bien le notif, hein, quand tu peux up... quand tu peux up une stat, nickel. Pour eux, t'as rentré les trois codes ? Je suis beaucoup trop bas sur Genshin Impact. Miko ! Tout à l'heure j'ai fait une chute bien plus grande, ça m'a rien fait. Remboursé. Putain mais la boussole elle est beurrée. Ou alors il est juste au-dessus de moi. Monte ! Putain. Il doit être tout là-haut. Super. Sur Genshin Dictate. Là, comme ils ont fait un live spécial pour les 1.2, ils ont donné plusieurs codes pour récupérer des primogènes. Et les codes ont été rechargés, donc il faut en profiter. On va faire une pause là, je pense. Donc, là. Putain, légendaire, ça va être chaud les marronaux, non? Hop. Après, ouais. Je suis pas sûr d'y arriver là. Fuck! Je vais mourir! Ouf! J'ai bien fait d'appeler l'endurance, hein. L'efficacité des potions plutôt, soyons précis. Alors, j'espère que ce sera pas du one shot. Alors comme ça, Typhon a altéré le lion de Némée après que cet imbécile d'Héraclès là l'a dépecé. Tu sais qu'Héraclès, ayant compris qu'il ne pourrait le transpercer, le tua à main nue. Ça me semble logique. Héra avait lâché ce lion pour qu'il tourmente les mortels. Tu veux que je te dise? Parfois, j'adore cette femme. Oh putain. Le mec fait des ondes de choc. Hein. Tu te calmes, hein. Faire des trucs imparables. Non mais dis donc.
Se calme, Jean-Jacques, on a dit. Couchez ma tour. Oh. Oh. Calmez-toi. Je peux taper dessus sinon on peut pas taper à côté. Je t'en voudrais pas, Jean-Jacques. Je t'assure. Ah, j'ai essayé un truc sympa, non. J'ai essayé le stun avant qu'il me touche. Échec. Non, j'ai pas d'endurance. Monte. Putain, je suis qui que. Du coup, ça m'a perturbé. Là. Arrête. Putain, arrête de taper à côté. Allez là. Allez, ça dégage. Ouais, elle est plutôt jolie comme créature. Ça aurait été bien de pouvoir la monter aussi, ça aurait été rigolo. J'en suis sorti de justesse. Mais non, j'ai utilisé une potion, abuse pas Jean-Jacques. Ouf. Un nouveau type pour lui, très bien. Il passe au type foudre. On va regarder. Non, je veux pas la map. I don't want the map. Ça change rien. L'attaque est la même, hein. C'est juste l'effet. Genre là, au lieu d'avoir ces orbes là, il y aura des dégâts supplémentaires. Si j'ai bien compris. Bon, ça se trouve, j'ai rien compris et je sais pas. Je sais pas. Y a pas plus proche. Y a pas plus proche, ok. Du coup, attends, on va peut-être quand même se re-TP, prendre un point de vie et repartir. Ouais. Ça me paraît être le plus sage. Non, enlève le marqueur, TP-toi maintenant. Bonne nuit, Darkseid. See you next time. Par contre, tu disais que tu regardais demain, Dictate. Je crois que c'est trop tard, hein, demain. C'est qu'aujourd'hui. Hein. Même si j'adore la halle des dieux, et je suis sincère, elle avait besoin d'un peu plus de moi. Pas d'un peu, de beaucoup. Tant mieux, trésor, parce que ça ne fait que commencer. Ok. Allure. On va pas cracher dessus un peu plus de vie, hein. Hop. On prend. Ouais, d'accord. Tiens, d'ailleurs, je vais voir, est-ce que je peux pas changer son skin d'armure. Ah, parce que j'aime beaucoup l'effet de l'armure, mais, est-ce qu'il y aurait pas plus sympa? Bof, hein. Ça, là, c'est celle de base. Ah, ça change les jambières quand même. Bof. Et là, j'ai un bonus d'épée, je sais pas pourquoi, là. Je peux comprendre, on a des bonus. Qu'est-ce qu'on peut améliorer ici? Bah rien de plus, donc on va quand même prendre le stock de potions. Hop. Ça monte à 10. Tac. Je vais peut-être commencer à utiliser les potions aussi, moi, notamment contre les combats. Enfin pour les combats un petit peu compliqués comme on a eu là. Ça ferait peut-être la différence, je sais pas.
Yeah. On peut pas lui... Ah si, on peut. Ce doit être agréable de ne plus être un arbre. Oh oui, c'est un soulagement. Il me reste quelques fruits. Quelqu'un veut une pomme? Non, ça ira. Je ne sais même plus si j'ai un estomac. Pas d'estomac, peut-être, mais... Oh, quels abdos! On les voit pas. J'ai l'impression de les voir à travers le tissu. Régime méditerranéen. C'est un peu trop, non? J'ai envie d'être en forme, mais sans être une de ces personnes, là. Tu vois? Ça va, tu es bien. Très bien. Très, très, très bien. Oula. Sinon, moi, je fais quoi, en fait? Yes. Ok. 600. On va faire celle qui a 600. Bah du coup, voilà, on va essayer de faire les 4 créatures, là, dans cet épisode. Tac. Et je suis en train de voir les papayes, là. Elles sont en train de baisser, hein. Il va falloir que je les farme un peu. Une petite papaye. Ah, j'aime bien là où on va, là, avec les arbres roses, c'est joli. Je vois des petits scintillements. Après, faudrait que j'essaie de débloquer le coup de bouclier, hein. Ça se trouve, c'est cool. Je m'en suis jamais servi, du coup. Je ne l'ai pas débloqué. Forcément. Ouais, l'endurance. Non, j'ai fait un double saut, le 2. Ah, on peut quand même se... D'accord. J'ai plus d'endurance, mais je peux planer, ok. J'ai fait un double saut au lieu de remettre un coup d'aile pour ralentir la chute. Je suis beurré. Ah, c'est un méga facochère. Yeah. On va essayer de lui caler une petite attaque. Par-delà les champs de coquelicots. Sais-tu pourquoi les anémones sont rouges? Ah, anémone. Lorsque le sanglier blessa Go mortellement Adonis, Aphrodite pleura sur son cadavre, dans une prairie remplie de fleurs. Ses larmes se mêlèrent au sang. Je sais pas si ça fait des dégâts en plus. Ah, ou des dégâts d'étourdissement peut-être. J'ai peut-être mal regardé. Est-ce qu'elle met la vache folle là? Il s'est coûté, hein. Quoi? Comment ça, réinitialisation? Qu'est-ce que tu dis, toi? Beurré le jeu. Ah, mais c'est ça, c'est l'étourdissement. Ah, bah j'aime bien en fait. Non mais non, mais... Parce qu'elles retiennent leur respiration Go en attendant que tu termines. Non mais, Poro, est-ce que tu as vu ça? On est allé sur le caillou, là. Putain, on est toujours dans le champ de fleurs, s'il te plaît. Mais pourquoi? C'est n'importe quoi. J'entends encore les cris des mortels fuyant le sanglier de Calydon, qui saccageait les champs de leur régime. Tout ça parce que le roi aîné avait oublié de faire une offrande à Artemis. Quoi, hihi, c'est de la merde. Pourquoi ça fait ça là? La Pumba là, qu'est-ce que la Pumba? Je sais pas ce qui est plus efficace entre les lances et le pilaf. Elle va en bord de map hein, pour initialiser le fight, on connaît la technique maintenant. Petite morue. Attention, tu sors de l'arène. Ça te l'a fait pour eux, ça? Il y a qu'à moi que ça arrive comme d'habitude. Le problème c'est qu'il charge, il a tendance à partir tout seul en fait. Hein. Gâteau, on est d'accord.
Surtout qu'ils ont pas que 2 PV quoi, c'est des trucs. Je vais tabasser pendant 3 quarts d'heure. Putain. Ça, je peux le contrer ça. Il est beurré. Ah, ça l'a interrompu avant. Okay. Oh, mais tu vas arrêter, Mister? Il a été rouge là, j'ai pas vu là. Après, il y a le coup de marteau qu'il faudrait que je débloque. Mais il me faut des pièces. Et comme Poro me dit pas où trouver des pièces, bah j'y arrive pas. Voilà, merci Poro. La faute de Poro. Alors, non, ça va pas ce que je fais là. Quoique, attends. Non, ça va pas, l'eau. Après, si celui-là, je peux aller le coincer dans le bord, ouais, ce sera déjà ça de prix. Allez, on va se faire une rotation. Ouais, sauf que la rotation, je peux pas la faire en fait. Parce qu'attends, alors je fais ça. Ah oui, mais je peux pas. On peut pas tirer. Oh. Fais un effort, Pedro. Attends, il faut juste que tu passes entre les deux. Fuck. Ça, les deux seront en haut. Bah, c'est bon en fait. Ah mince, attends. C'est pas bien aligné. Hop. Bah, c'est pas du tout aligné. Ouais. Ah bah, c'est peut-être des pièces de Caron du coup, ça. Le sang. Plus 6. Ouf. On va peut-être pouvoir prendre le marteau du coup, voir ce que ça donne. Alanis n'aurait pas dû passer autant de temps en compagnie d'Aphrodite. Salut Jaka. Beaucoup de ses amants furent jaloux. En tout cas, elle n'est pas tombée amoureuse de son cerveau. Il ne put triompher du sanglier envoyé par Arès. Mais lorsqu'Aphrodite, éplorée, versa du nectar sur les blessures d'Adonis, il y poussa la splendide anémone, qui devint le symbole d'une nouvelle vie. Il n'aime pas les choux pourris. Ok. Je sais pas. Du coup, on va se retéper à nouveau au hub central. Comme ça, on se prend une petite compétence. Pourquoi je mets un marqueur alors que je veux me TP? Merci. En tout cas, je reste sur le. Une bonne impression générale hein, sur le jeu. Il n'y a pas de. Ça me fait un peu penser à Darksiders à l'époque, mais en mieux. Qu'on accusait déjà de Zelda-like à l'époque. Non, non, Rocket League, j'y joue pas, moi. What the fuck? What the fuck? Je voulais quoi? Je voulais les compétences, c'est ici. Si tu cherches à acheter quoi que ce soit, on peut essayer le marteau. Ça coûte 6.
Ça fait 392 de dégâts. Elle a R2. Et combien pour améliorer 8? C'est 8 à chaque fois? Ouais, non, mais les pièces, va falloir aller les farmer là. Ça va pas du tout. Hein. What the fuck, les amis? 5. Tout coûte 5? Attends, s'il y a ça là. C'est quoi ça? Allez, on va prendre ça. Hop. On va pouvoir récolter les ressources plus rapidement. Y a un truc qui aurait été drôle, ils auraient pu faire la tenue en mode caleçon avec le cœur, mais bon, c'est pas un jeu Capcom, donc je suis pas sûr que ça y soit. 1000. Ok. Attends, on va voir déjà l'animation. Ok. Ça bourrine. Alors, je sais pas combien de types il a. Jean-Jacques Le Piaf. Parce que là j'ai rien débloqué là, on est d'accord. J'espère que j'ai pas oublié un coffre, ça me fout le doute. Ouais dictate, mais t'as vu ce que ça me coûte, 8. Faut que je forme les pièces. J'ai un doute sur le fait d'avoir laissé un... une récompense sur place, je pense pas, mais... Ah, bonjour. Ignorez-moi, tant pis, il y a des arbres pour les papayes, les grenades, ou ce que vous voulez. Pourquoi ça brille, ça? Ah, voilà donc la raison. Salut Teiku. Ça va et toi? Attends, du coup on est un peu safe, on va se prendre quelques fruits. Les petites grenades. Ah, j'ai ramassé les 4, nice. Tu peux pas faire un effort, monsieur. C'est top là. Pas si bien. Ah, t'es cool. Qu'est-ce qui se passe? The Last of Us 2. Ah. J'ai revu le jeu tourner un peu pour les Game Awards. C'est vrai que c'est quelque chose. Hein, quand même. The Last of Us là. C'est énervé. C'est le nouvel mode d'écrire comme ça. Attends, y'a un truc violet en haut là. Pour y'a un truc violet, je sais pas si tu l'as vu. Vu que tu adores tout ce qui est violet, hein. Ne l'oublions pas. Ah mais c'est un mob. C'est un mob de dos. Mais... par contre, il est vénère, non? C'est quoi ce truc? Non. Ils sont gold, ils sont pas silver. Allez salut. Quelqu'un prank. Allez salut. On verra ça plus tard. Je me fais pas attaquer d'ici, non. Okay. Après là, par rapport au début, j'ai l'impression que je fais un petit peu plus de dégâts parce qu'au début c'était vraiment ridicule avec les... Pourquoi j'ai arrêté de regagner l'endurance, je sais pas. Bonsoir. Oula, on se calme sur les effets sonores.
Ok, 140 mètres. Tant pis, je sais pas où il est tombé. C'est pas cet ours. Qu'est-ce que... Je me fais poursuivre par des points bonus. L'ours légendaire. Ok, on va essayer de se poser tranquillement. Il n'y a pas eu d'annonce de malade? Non, non, non. Reconnais-tu Callisto? Comment oublier une femme si pleine de vie? Après Mass Effect, j'ai jamais joué. En ours. En effet, dommage aussi, et pour dire que tu l'aies bernée et séduite en te faisant passer pour Artemis. Bon, ça va, les reproches. C'était une partie de chasse. Comment je pouvais deviner qu'Hera allait la prendre? Parce qu'elle sait toujours tout. Et cela, à chaque fois. Ah, mais tu fais combien de coups, Jean-Jacques? Là, il me prévient pas. Il devient rouge quand il a déjà lancé le truc. Abusez pas, les gars. Merde, je voulais pas faire ça. Je m'insulte là en bête tauche. Mais... chelou là. Il peut me viser en fait. J'ai tellement pas d'endurance, j'ai même pas le temps de mettre un coup de marteau là. Énervé là? Calme-toi Jean-Jacques. Tu vas où, reviens? Non, je vais mettre le coup de marteau. Il m'a juste trompé de touche. Je suis la déception. Callisto, l'ours légendaire. Il n'y a pas de doute. Hein. Ah, d'accord. Si, c'est que j'ai pas fait gaffe sur l'autre. J'ai peut-être pas fait attention hein, sur le facochère là. On dirait un perroquet. On va essayer celui-là. Du coup, le dernier. Il est un petit peu loin. Est-ce que c'est plus rapide sans se re-TP? Je suis pas sûr. Ah, il est loin quoi qu'il arrive. Ce qui est assez avantageux, c'est qu'on peut se TP vers le palais d'Aphrodite afin de se rapprocher rapidement de l'objectif. L'objectif se situant à quelques mètres devant moi. Surtout en dessous, j'ai l'impression. C'est quoi l'ennemi là? Putain, tu m'as fait peur. Je ne vois pas l'ennemi. Il est plus dans la mare, je sais pas. Zone de quête. Ah oui. D'accord. Ah, c'est un griffon. Ok, ok. Celui-là, il étourdit plus. L'autre, en fait, j'ai pas compris ce qu'il fait. Son clone explose, mais j'ai pas compris. Celui-ci, il étourdit. Tu vois. Mais l'autre, c'est... J'ai pas compris l'électrique, là. Explosion de clone, de phosphore et dégâts infligés égaux à 336. J'avais l'impression qu'il étourdissait plus par rapport à l'autre, mais
C'est celui-ci, le spécialiste de l'étourdissement. Donc, Oh putain, il y a un poulet. Il est où le griffon ? Tu savais que ce coq fut autrefois le grand Alectrion ? Le piaf insupportable des... Il y avait un truc qui ressemble à un griffon, il est où ? Celui qui hurle à chaque fois que le soleil se lève ? En personne, oui. Mais... Coupe lui la tête, Phoenix. La dernière chose que j'ai envie d'entendre après avoir bu avec Dionysos, c'est bien cet oiseau. Ah, je me fais haïr par une poule. Ah, c'est une blague. Tiens, bouffe. C'est un des plus importants, ouais, je sais pas. Il me fait peur au niveau des patterns, lui. Quoi? Bien de fight en fait. Le poulet il est jamais là. Fight en fait. Le coup de marteau, je suis content de l'avoir débloqué. Par contre, instinctivement, pour mettre le coup de marteau, j'appuie sur rond. Alectrion, coq légendaire. Tous les animaux mythiques furent enfin vaincus. Ce qui ne manquerait pas de plaire à Aphrodite. On dirait un dinosaure. Il y en avait d'autres là-bas. Hop, 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 hop. Les ressources, c'est important. Ouais, faut quand même y a une portée. Okay. Ça, par contre, ça m'intrigue, là. Faut mettre le feu. Attends. On va quand même regarder le nouveau piaf, même si je l'aime pas en mode pierre, ça se trouve. Ah. Ouais, bon, non. Pour l'instant, on reste comme ça. Je disais du feu. Il y en a là-bas. On va essayer de mettre le feu là-bas pour récupérer la perle. Ok. Au moins, il fera plus chier ce pot. Tout. Allez, un dernier. À moi la perle. Je ne sais pas ce qu'elle cache, mais... Ah, mais si, d'accord, c'est pour ouvrir les... D'accord. Et c'est là ? Bon. Comment vous dire ? Il m'en manque un petit peu, il m'en manque 4. Attends, tu veux revoir le truc des piafs? Je vais te montrer. Le piaf de pierre, là. 50% de consommation d'énergie au fil du temps avec occultation de phosphore. Moi, j'aime pas trop sa tronche. Hein. Non, je pense que pour l'instant, je vais rester sur celui-ci. Hein. Le bleu... Attaque discrète létale n'annule pas l'occultation de phosphore. Donc c'est le fait de tuer un piaf. Je suis pas sûr d'avoir compris le truc. Hein. Tuer un piaf, tuer un mob discrètement, what the fuck. Je suis beurré. Je sais pas. C'est pas très clair. Je vais voir si je peux trouver les boules rapidement, mais j'ai l'impression que c'est mal barré. Parce que, bah, comment vous dire que j'en ai pas trouvé d'autres. Donc, je pense que je vais couper là-dessus. Qu'est-ce que c'est que ça? Attends, si je fais un truc comme ça... Je sais pas, pourquoi c'est vert? C'est censé nous faire des dégâts?
Hein? Ok. Je suis un peu perplexe quant à la qualité, enfin l'intérêt de l'énigme. Comment vous dire? Il y a toujours cette tornade qui m'intrigue là. Oh, c'est bon. Oh. Mais non, mais on. Oh, putain. Je déteste. Et j'appuie encore sur R1 pour dash. JPP. JPP, aidez-moi. Aidez-moi. Anyway, je coupe là-dessus. Hein, sur cette merveilleuse action. Hop, de plaçage de boule. Donc je vous dis merci d'avoir regardé, à la prochaine pour la suite. Ciao.